Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'animé. Et cette fois-ci, on va parler de Orange. Voilà, vous me dites en fait, ça se dit Orange. Non, non, Orange, c'est ça. Tout ça, Orange, c'est ça. Bon, du coup, après cette petite parenthèse, faut quand même savoir que c'est un anime sorti en 2016 de genre science-fiction, romance, amour et amitié. Bref, du coup, on est au top, c'est parti. L'anime nous raconte l'histoire d'une jeune fille appelée Nao Takamiya, âgée de 16 ans. Un jour, elle reçoit une lettre. Une lettre un peu spéciale, à vrai dire. Non, parce qu'en fait, c'est pas une lettre d'amour. C'est une lettre qu'elle s'est auto-envoyée. Ouais, elle est un peu chelou, la meuf. Non, je rigole. Ou pas, en fait. C'est elle qui se l'est envoyée la lettre, mais celle-ci date de 10 ans dans le futur. Donc bon, au début, vous vous en doutez, elle va pas trop y croire. Mais à partir du moment où ces choses qui sont dans la lettre te disent ce qui va arriver et que ces choses arrivent réellement, bah là on commence à se dire que c'est peut-être pas de la merde. Dans la lettre, il est dit qu'un de ses amis, Kakeru, dans le futur, il n'est plus de ce monde. Ouais, là c'est bon, vous vous en doutez, le but sera de le sauver. Bien sûr, je m'arrête là, je vais pas non plus vous dire toute l'histoire, à vous de voir ce qui se passera dans l'animé. Bon alors du coup, en ce qui concerne cet animé, moi j'adore les retours dans le temps, je trouve ça très original, ça se démarque des autres animés, faut le dire, c'est vraiment sympa. En plus, c'est pas juste je te remets un retour dans le temps pour t'en mettre un. Voilà, là il y a vraiment un but, un objectif, faut le dire, l'histoire est vraiment sympa. Ensuite, pour ce qui est des personnages, ils ont un caractère très particulier à chacun. Ce côté de l'anime a bien été développé, je trouve que c'est carrément de la balle. Pour ce qui est du côté univers nostalgique, je trouve que les dessins font vraiment leur job. Ils sont magnifiques, très chaleureux. Quand vous les voyez, on a vraiment cette impression de waouh. À cet âge, on peut encore tout commencer, rien n'est encore fait. Je pense que c'est vraiment ce que l'auteur a voulu retransmettre et je trouve que ça a vraiment bien marché. L'anime en lien avec Orange serait pour moi Real Life. Voilà, on reste dans le côté school. Retour dans le temps, on essaie de changer de vie, c'est sympa, original, facile à regarder, pas de prise de tête, vous pouvez y aller. Voilà, en tout cas, moi j'en ai fini pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez kiffé, que vous irez bien sûr voir l'animé. Allez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.